une soirée bénie de la part de notre Seigneur Jésus, une soirée bénie parce que nous sommes devant le roi de gloire. Nous sommes réunis ce soir pour intercéder, prier et écouter la parole de Dieu. Donc, c'est une grâce d'être dans la maison de l'Éternel, comme le roi David, lui, il avait toujours la joie, le bonheur, vous voyez, de participer dans le lieu de prière. Même les apôtres aussi, lorsque ils étaient en train de voyager, de se déplacer, d'évangéliser, de parler de la part du Seigneur, ils cherchaient toujours un lieu pour prier. Voilà, c'est important. Et aussi d'avoir des enseignements, des moments, n'est-ce pas, des méditations, des réflexions sur la parole de Dieu. Donc nous sommes toujours là dans l'église de marché de l'amour. Et ce soir, nous voulons commencer un nouveau thème, un nouveau sujet qui s'intitule « L'homme affermi pour la société ». C'est ça le titre de notre enseignement de ce soir. « L'homme affermi pour la société ». Alors, d'abord, pourquoi j'ai accentué « pour la société » ? Parce que nous savons bien, dans les églises, lorsque le nouveau venu, lorsque quelqu'un qui vient de recevoir le Seigneur Jésus comme Seigneur Sauveur personnel pour la première fois, ce qui suit après, c'est quoi? C'est là l'affermissement. Ce sont, n'est-ce pas, les enseignements sur l'affermissement. Pourquoi? Pour rendre la personne plus forte. Pour rendre, n'est-ce pas, la personne plus solide. Donc, d'emblée, c'est ça aussi la définition de l'affermissement. Alors, ou bien le mot affermi, il vient du verbe affermir. Verbe affermir, ça veut dire simplement rendre ferme quelque chose. Rendre ferme aussi quelqu'un. Alors, ça veut dire aussi lui rendre solide. Donc, sur le plan matériel et sur le plan spirituel et physique aussi, sur le plan spirituel et moral, c'est rendre quelqu'un plus fort, rendre quelqu'un plus sage. Donc, c'est ça le but du verbe affermir ou bien le but des affermissements dans les églises. Parce que celui qui vient du monde, celui qui vient de recevoir le Seigneur Jésus comme Seigneur Sauveur personnel, et la personne est faible devant l'adversité de l'ennemi. Parce que lorsqu'on recherche, c'est pourquoi on remarque que lorsque quelqu'un qui commence à servir Dieu à tout nouveau, il y a quoi? Il y a beaucoup de problèmes qui arrivent dans sa vie, ou bien il y a beaucoup de problèmes qui surgissent. Et la personne, si la personne compare à sa vie avant de recevoir Seigneur Jésus comme Seigneur Sauveur, parfois il gagnait sa vie d'une façon frauduleuse. Parfois il faisait des choses qui n'étaient pas bien, n'est-ce pas, dans sa conscience et aussi par rapport à la parole de Dieu. Donc quand il se rend compte que donc elle faisait des choses qui ne plaisaient pas à Dieu, qui n'étaient pas selon les normes de la parole de Dieu, la personne est parfois frustrée. Mais ce qui arrive par rapport à l'adversité du monde ou par rapport à la parole de Dieu, la personne compare. Oh, si jamais la difficulté continue, elle va voir comme si, il va regretter. J'aurais dû rester dans le monde, j'aurais dû rester dans ma vie auparavant, ma vie du passé. De la même façon aussi avec les enfants d'Israël. Lorsque le Seigneur les a délivrés de la servitude égyptienne, à un moment donné, ils commençaient à... Déjà, dès les commencements sur la route, ils ont commencé à se lamenter. Même lorsqu'ils étaient en train de vivre le plus grand miracle de tous les temps, lorsque la mer Rouge était en train de se diviser en deux, ils étaient en train de vivre les poissons, les différentes sortes de poissons en train, n'est-ce pas, de balader, n'est-ce pas, dans la mer, sans pour autant, n'est-ce pas, franchir ces murs-là que le Seigneur avait érigé à ce temps-là. Mais après, ils ont commencé à se lamenter. Lorsque le Seigneur les a amenés quelque part pour les préparer avant, n'est-ce pas, avant de vivre dans la terre promise, par rapport à la promesse qui était, je vais vous envoyer dans une terre qui est limpide, donc sur laquelle il y aura le lait qui va couler, il y aura du miel, n'est-ce pas, à tout moment. Et c'était une façon métaphorique.
il fallait aussi être préparé pour arriver, n'est-ce pas, à la terre promise. Mais le problème, c'est que les gens, ils n'étaient pas confiants à notre Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas affermis. Donc c'est ça aussi la raison pour laquelle aujourd'hui le Seigneur m'a fait grâce de commencer cet enseignement. Il y aura, c'est ça, ça sera une série d'enseignements sur l'homme affermi pour la société. Pourquoi? Parce qu'un homme qui est faible, il peut être affermi par rapport à soi-même, ou par rapport à lui-même. Et quand je parle de l'homme ici, c'est qu'on peut comprendre, c'est l'homme et la femme. Et la Bible déclare dans le livre de Genèse, Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme, c'est l'homme et la femme. Donc je parle en réalité du serviteur et de la servante de Dieu. Donc du disciple tout court. Voilà. Mais le mot important, l'homme, pourquoi? Parce que pour que toi tu comprennes que tu es en train d'être affermi, pourquoi? Pour servir dans la société. Parce qu'il y a des gens aussi aujourd'hui qui font des études ou bien qui font des recherches, avoir la connaissance de la parole de Dieu par rapport à eux-mêmes. Voilà. Mais aujourd'hui, je veux que si jamais tu comprends ce message, ça veut dire quoi? Tu es en train d'être affermé ou bien tu as été affermé pour servir dans la société. Pas pour garder la connaissance à soi-même, mais pour servir à d'autres personnes aussi. Donc c'est ce qui est important pour comprendre les termes de notre enseignement. Alors c'est la société, ça peut représenter d'abord la famille, ça représente d'abord la famille restreinte, si je peux dire ainsi, la famille restreinte qui est, n'est-ce pas, ton foyer. La famille élargie aussi, les parents, les frères et sœurs, les cousins, et aussi la communauté, n'est-ce pas, par rapport aux gens avec lesquels tu es en train de vivre. Et ça peut aussi dépasser des limites de frontières. Ça veut dire, dans d'autres pays, et surtout si tu émigres dans d'autres pays, dans d'autres terres, donc tu vas apporter la connaissance ou bien la solidité que le Seigneur t'a dotée. Donc c'est ce qui est important à comprendre par rapport à notre thème d'aujourd'hui. Alors, lisons d'abord les livres. Prenons d'abord nos Bibles dans les livres de Samuel. De Samuel chapitre 5. Nous allons commencer d'abord par l'exemple du roi David. Le roi David, lui qui était affermi par Dieu, lui qui avait confiance en Dieu à tout moment. De Samuel chapitre 5, à partir du verset 9. De Samuel chapitre 5, verset 9 à 12. De Samuel chapitre 5, verset 9 à 12. Alors la Bible nous dit, David s'établit dans la forteresse qu'il appela cité de David. Il fit de tous côtés des constructions, en dehors et en dedans, des Milo. David devenait de plus en plus grand, et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Il dit à partir de 9 jusqu'à 12, 11, Hiram, roi de Tyr, envoie des messagers à David, et du bois des cèdres, et des charpentiers, et des tailleurs de pierre, qui bâtirent une maison pour David. David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi d'Israël et qu'il élevait son royaume à cause de son peuple d'Israël. Alléluia. Amen. Voilà, donc ça c'est simple à comprendre. Là, c'est le deuxième livre de Samuel qui parle de David, le roi David. Le roi David, c'est lui, n'est-ce pas, qui a été envoyé pour rendre grand les royaumes d'Israël et pour devenir aussi leur roi. Parce que le premier roi, le roi Saoul, n'était pas envoyé par Dieu. C'était un roi qui était voulu par le peuple. Alors, donc, c'est ce qui est important aussi à comprendre par rapport à la vie ou bien à la royauté de notre roi David. Parce que et derrière David, il y a eu la puissance de la royauté de notre Seigneur Jésus. Voilà. Donc c'est ça. Et la puissance de David, son règne
par rapport à tout ce qui a été déjà planifié par Dieu, parce qu'au début, il était en train de servir, il était en train d'être préparé dans la brousse pour devenir un grand. Et après la préparation, le Seigneur l'a amené devant les défis contre Goliath. Et il a gagné, il a coupé la tête de Goliath et il est devenu le roi. Alléluia. Donc de la même façon aussi avec nous aujourd'hui. Donc au préalable, bien avant que les gens te connaissent, Dieu te prépare déjà. Te met quelque part pour être préparé. Par exemple, tu peux servir à bon, c'est vrai, c'est malheureux dans une maison, dans une famille, un enfant qui est maltraité. Parfois, le Seigneur te prépare par rapport à des adversités que tu vas rencontrer dans le monde réel ou bien dans le monde des adultes. Et tu subis déjà, c'est vrai, c'est malheureux de subir des injustices de ta famille ou bien dans ton entourage ou bien dans la communauté. Et après, lorsque tu grandis, mais lorsque tu apparais devant les adversités et tu as déjà l'expérience par rapport à la souffrance. Et nous avons vu le Seigneur Jésus lui-même, il a souffert, il a enduré la souffrance. Pourquoi? Parce qu'il voulait montrer l'exemple à ses serviteurs ou bien à ses disciples. Amen. Amen. Voilà. Et là aujourd'hui, par rapport au roi David, on voit les textes clairs. Vous voyez, il faut décoder les textes. On a commencé par David s'établit dans la forteresse qu'il appela cité de David et il fit de tous côtés des constructions en dehors et en dedans des milieux. Donc là d'emblée, parce que c'était un enseignement, c'est pour nous montrer, avant de devenir ferme, ou bien avant d'être affirmé, de devenir fort, il faut ériger, il faut barricader, n'est-ce pas, à ton entourage. Il faut barricader ta vie. Et là, d'abord, il s'agit d'une personne, l'homme dont je suis en train de parler, il s'agit de toi. Donc, il faut te protéger. D'abord, en dedans, ça veut dire quoi? D'une façon interne, ou bien à ton intérieur. Donc, il faut commencer d'abord à changer ta vie intérieurement. De voir, et en rapport avec le message de dimanche dernier, on a parlé de quoi? C'est de mastering your life over generation. Donc, en français, c'est quoi? C'est rendre, n'est-ce pas, ta vie, devenir le maître de ta vie pour des générations. Donc, ce n'est pas de te voir toi-même, d'être toujours égoïste. C'est ce qui nous retient parfois, ou bien ce qui nous empêche d'être simple dans la vie, c'est notre ego. Ce qu'on appelle ego, ou bien l'égoïsme. Donc, le moi. Tu veux toujours faire des choses pour soi-même. Tu ne vois pas loin et tu ne vois pas d'autres générations. Parce que la vie, c'est comme ça. On est, on grandit et puis on meurt. Et on laisse des générations derrière soi. Soit si tu as des enfants, soit tu as une grande famille ou une petite famille, peu importe ce que le Seigneur t'a donné, et après quoi tu vas mourir. Et nous, nous sommes les chrétiens, nous attendons, n'est-ce pas, les retours de notre Seigneur Jésus. Alors, donc c'est ça. Donc ce message est que pour que, d'abord ça c'est l'introduction, mais pour que tu comprennes, donc pour être affermi, d'abord soi-même, il faut barricader, n'est-ce pas, ta vie, intérieurement sur le plan spirituel et sur le plan moral. On avait dit quoi? On a dit qu'il faut d'abord, il faut avoir l'autorité sur les émotions. Donc celui qui va affermir son intérieur, il faut qu'il dépasse les émotions. Les émotions par rapport à quoi? Par rapport au sentiment, n'est-ce pas, d'être faible devant à une situation donnée de la vie. Par exemple, si il y a quelqu'un qui est mort, c'est vrai que tu peux pleurer, mais tu ne peux pas arrêter, n'est-ce pas, de vivre parce qu'il y a quelqu'un qui est mort. C'est ça aussi. Tu peux avoir les problèmes avec les problèmes sentimentaux, avec sentimental amoureux, avec ta femme, avec ta copine ou avec ton homme, avec quelqu'un de ta famille. Donc cela ne veut pas dire que c'est la fin du monde. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont capables, n'est-ce pas, de se tuer à cause d'une aventure amoureuse mal tournée, à cause, n'est-ce pas, des problèmes même de l'humiliation dans la communauté, dans la famille. Oui, on a vécu ça, les gens, n'est-ce pas, qui étaient insultés et puis rejetés dans la communauté, dans la famille, à cause de mauvais résultats, n'est-ce pas, scolaires. Donc, c'est comme ça, il faut avoir la capacité d'avoir l'autorité sur les émotions. Donc, les choses difficiles peuvent arriver dans la famille, dans la vie. C'est pourquoi, on dit, le roi David avait le cœur affermi, le cœur, ce qu'on appelle le kun,
Donc, il ne s'embarrassait pas, n'est-ce pas, de rumeurs de la vie. Et lui, il a continué à servir à Dieu. Il a servi au travers, n'est-ce pas, sa royauté. Donc, ça, c'est ça, mesdames, c'est pourquoi je parle, j'ai insisté sur la société. Parce que chacun de nous, dans la société, a un rôle important à jouer. Tu peux jouer un rôle, n'est-ce pas, même dans ta famille même. Tu peux aider les enfants, tu peux aider tes cousins, aider les gens dans ta famille. Tu peux aussi aider les gens, n'est-ce pas, dans ton entourage, dans les quartiers, même aussi dans la communauté, d'une façon élargie, même aussi dans la nation. Tu peux choisir quelqu'un, un enfant, un étudiant qui a n'est-ce pas, qui a les problèmes d'argent, par exemple. Et si tu as la connaissance de ce genre de personnes, tu peux les aider pour que les gens continuent, pour que la personne continue, n'est-ce pas, avec ses études. Ce sont des choses à faire. Voilà, là, ce qui est important, le roi David était en train, n'est-ce pas, de s'affirmer au-dedans et au-dehors. Et au-dehors, c'est par rapport à l'adversité de la vie, par rapport aux gens avec qui tu vis. Donc, il faut chercher, comme on nous a enseigné, n'est-ce pas, la fois passée avec notre maman, pasteur Daniel, on a dit, il faut chercher quoi? Chercher la paix et la sanctification. La paix, c'est dehors. La sanctification, c'est intérieur. Donc, c'est ça, la même ordre d'idée. Et quand tu t'as fermé soi-même, c'est comme ça que tu seras capable. N'est-ce pas? Mais dans tous les cas, ce n'est pas soi-même qui fait. Mais la Bible nous a dit, David est devenu de plus en plus grand et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Alléluia. Mais donc, tu ne peux pas faire tout ça tout seul. C'est avec Dieu que tu vas faire cet affermissement. Donc, tu deviens un homme affermi. C'est un homme qui a, n'est-ce pas, la conviction de faire des choses. S'il dit oui, ça veut dire c'est oui. S'il dit non, ça veut dire non. Il n'est pas, n'est-ce pas, tiède. Le Seigneur Jésus a dit quoi? Si tu es tiède, qu'est-ce qui va arriver? Il va te vomir. Donc, en d'autres termes, il va t'abandonner. Il va te rejeter. Tu ne seras plus avec lui. Tu ne seras plus, n'est-ce pas, il ne sera plus dans le cœur de Jésus. C'est pourquoi c'est tellement important pour toi et moi aujourd'hui, surtout dans l'Église de Dieu, dans l'Église Marché d'Amour, de comprendre que nous sommes là pour devenir, n'est-ce pas, des hommes affermis, pas à se limiter dans l'Église, mais il faut aller aussi dehors, dans la société, pour faire des choses. Et par exemple, aujourd'hui, nous avons un problème dans notre pays, le Congo, par rapport à quoi? Par rapport à... Bon, c'est vrai, il y en a, mais d'une façon générale, on manque des leaders, des hommes qui sont affermis pour la société. Les hommes qui sont solides, les hommes qui sont intègres, les hommes qui sont capables de dire oui, de dire non, et puis de rester constant. Donc celui qui est affermi, c'est un homme qui est constant. C'est un homme qui ne change pas de veste du jour au lendemain. Donc par exemple, sur le plan politique. Donc, par exemple, si tu as un parti politique, un membre d'un parti politique, ce n'est pas du jour au lendemain que tu changes de parti politique. De la même façon aussi, dans la vie, avec des amis, ou bien tu fais des études, il ne faut pas t'attendre à tout moment. Tu fais les études de mathématiques, par exemple, et demain tu changes, ah non, je veux faire la biologie, ou bien du jour au lendemain, tu changes aussi d'option. C'est pourquoi les gens, si vous remarquez ces genres de personnes, à la fin, à l'arrivée, il n'a pas d'option, il n'a pas, n'est-ce pas, une vision claire de leur vie. Mais l'Église nous aide à voir des visions claires. Parce que celui qui est affermi, il est constant dans ses idées, dans sa vision, la vision, dans ses principes de la vie. Donc c'est ça ce qui est important. Et David nous a montré l'exemple. Et surtout aujourd'hui, on voit même dans le quartier, lorsque nous étions les enfants, on a vu les plus âgés du quartier. Les grands frères, parfois on remarque, ce grand frère-là, c'est un homme de principe. Lui, il ne faut pas faire des blagues devant lui, ou bien il faut pas, mais s'il t'envoie de faire quelque chose, si tu ne le fais pas, il va te sanctionner directement. Donc lui, il n'a pas besoin de faire des blagues. Donc c'est comme ça aussi dans la vie. Un homme qui est devenu un homme affermi, c'est un homme qui est beaucoup plus important dans la société. Donc là, je parle de l'homme et la femme, je parle des serviteurs, je parle des servantes. Je parle aussi, n'est-ce pas, des disciples du Seigneur Jésus. Parce que nous allons transposer ces enseignements dans la société. Là où il y a d'autres personnes qui ne sont pas chrétiens,
là où il y a d'autres personnes, n'est-ce pas, qui ne partagent pas tes opinions, là où tu vas, n'est-ce pas, tes arguments peut-être ne vont pas convaincre quelqu'un, mais il faut que tu restes toujours affermé dans tes propos. Voilà. Et le roi David a continué, il a dit, bon, là, Hiram, le roi de Tyr, envoya des messagers à David et du bois de cèdre et des charpentiers et des tailleurs de pierre qui bâtirent une maison pour David. Et David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme le roi d'Israël et qu'il élevait son royaume à cause de son peuple d'Israël. Là, il y a trois choses. La première chose, c'est quoi? Ce sont les autres rois amis qui ont envoyé, n'est-ce pas, des choses, des matériels de construction. Donc là, il voulait construire des... Nous savons bien que ce n'est pas lui qui a construit les temples, mais c'est son fils Salomon qui a construit les temples. Mais là, le problème, le point à souligner, c'est par rapport à, à l'apport des autres personnes, voilà. Là, par rapport à l'autre roi, donc ça veut dire quoi? Dans les ministères, il faut aussi comprendre, ou bien il y aura l'apport des autres ministres, des autres ministères. Ils vont apporter quelque chose, n'est-ce pas, pour te rendre encore plus grand, pour te rendre plus ferme, pour te rendre plus solide. Il faut reconnaître les grâces des autres ministres, des autres ministères, des autres serviteurs, des autres servantes. Parce qu'on ne peut pas faire le travail de Dieu, n'est-ce pas, comme un one-man show, mais one-woman show. Donc, il y a toujours, n'est-ce pas, la main d'association, il y a l'apport des autres ministres, des autres serviteurs par rapport, n'est-ce pas, à ton ministère. Même si chacun de nous a une mission spécifique, mais il y a nos voisins, il y a nos frères, il y a nos collègues qui sont importants. N'est-ce pas, lorsqu'ils vont, par exemple, si dans l'église, on peut inviter d'autres serviteurs, d'autres pasteurs pour venir apporter un plus ou une pierre dans l'édifice. Alors, c'est important. Et le deuxième point par rapport à ça, c'est quoi? Il a dit, l'Éternel l'a fermé, c'est comme le roi d'Israël. Donc, le Dieu va te rendre fort, solide, constant, plus fort, par rapport à la mission à laquelle il t'a confié. Par rapport à la mission à laquelle il t'a confié. Par rapport à l'espace, par rapport au temps, par rapport à ce que le Seigneur t'a confié. C'est pourquoi là, il dit, et qu'il élevait son royaume à cause, n'est-ce pas, de son peuple. Dieu va t'élever. C'est lui qui va t'élever. Ce ne sont pas les hommes qui vont t'élever. Donc, c'est ça. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. L'élévation vient de l'Éternel. Il faut savoir ça. Donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, je donne cette introduction pour comprendre que l'homme a fermé, tu es affermi pour quoi? Pour la société. Si tu as reçu une connaissance, ne reste pas à la maison. C'est vrai, si quelqu'un il n'est pas voué à servir Dieu dans les ministères, dans la prédication, dans l'évangélisation, bon, il reste membre simple. Mais aujourd'hui, le message est surtout, et par rapport à mon ministère, c'est pour l'élite, c'est pour les serviteurs choisis. Des serviteurs qui sont capables de sortir là-bas, dehors, pour apporter un plus dans la vie du peuple des yeux. Donc, c'est ce qui est important. Donc, tu reçois l'enseignement, tu reçois la connaissance, et demain, tu dois servir le peuple de Dieu. Donc, quand tu sers le peuple de Dieu, quel que soit dans le milieu politique, le milieu évangélique, le milieu socioculturel, le milieu éducatif, dans tout cela, tu vas appliquer la force. La solidité que le Seigneur t'a donnée. C'est pourquoi le roi David a reçu son règne de roi pendant 40 ans. Le roi d'Israël. Donc c'est ce qui est important, bien-aimé. Donc c'est ce que je voulais que vous compreniez ce soir. Et nous avons l'exemple aussi, n'est-ce pas, dans les livres des Chroniques. Des Chroniques, chapitre 20. Là, c'est quelque chose de très intéressant. Il y a les serviteurs qui ont déjà parlé de ça. On a déjà prêché par rapport à ça. À Deux Chroniques, chapitre 20. Là, il s'agit, n'est-ce pas, de l'histoire de Josaphat. Lorsque il y avait les gens qui étaient venus pour l'attaquer, pour lui faire la guerre. Alors, j'ai dit verset 20, mais on va commencer à partir du verset à 18, David dit, Josaphat s'inclina le visage contre terre
Et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Alors, les Lévites d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des Coréites s'élevèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alors, le lendemain, ils se mirent en marche du grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. » Alors, confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Alléluia. Voilà. Donc, lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a une situation difficile qui est dans la société, par exemple, aujourd'hui, nous, les Congolais, c'est par rapport à notre pays, les Congo, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours adorer Dieu. Il ne faut pas abandonner parce qu'aujourd'hui, on dit les combats, oui, ce n'est pas même pas l'idée de dire que non, c'est Dieu va faire, non. Toujours continuer à adorer Dieu parce que le combat est aussi spirituel. Alors, il faut identifier les dieux, n'est-ce pas, pour qui tu sers, et après avoir adoré Dieu, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut honorer les serviteurs de Dieu. Il faut, n'est-ce pas, les lévites qui représentent les serviteurs de Dieu, selon, n'est-ce pas, les gens qui travaillent dans les sacerdoces. Or, nous sommes aujourd'hui là, les sacerdoces, selon l'ordre de Melchisédek. Donc, nous sommes tous les serviteurs de Dieu. Nous sommes tous le royaume des serviteurs de Dieu. Donc, chacun de nous doit servir Dieu, n'est-ce pas, il va jouer un rôle, n'est-ce pas, dans ce à quoi l'Éternel lui a confié. Donc, dans la moisson, la moisson est grande, mais chacun a une portion de terre, ou bien une portion de partie, n'est-ce pas, dans la moisson, pourquoi? Pour récolter, pour faire la récolte. Donc, de la même façon aussi avec nous, chacun de nous, dans sa position, doit combattre contre, n'est-ce pas, l'occupation, n'est-ce pas, étrangère dans notre pays, et de la même façon aussi, pour ta vie aussi, bien-aimé. Donc, il faut que tu combattes pour ta vie. Et de la même façon, lorsque tu es affermi, tu vas transposer cet enseignement, ce courage ou bien, n'est-ce pas, la détermination et par rapport à ce que tu es en train de faire. Et là, c'est intéressant, on s'est dit, voilà, et lorsque vous vous confiez à Dieu, vous êtes affermi. Mais lorsque vous vous confiez aux hommes de Dieu, aux serviteurs de Dieu, vous allez réussir. Mais dis-moi, bien-aimé, si tu réussis dans tes affaires, tu réussis dans ton mariage, tu réussis, n'est-ce pas, à avoir des enfants, mais s'il n'y a pas Dieu, qu'est-ce qui va se passer? L'échec. L'échec, voilà. Tu peux commencer bien aujourd'hui, n'est-ce pas, te marier, avoir des enfants, mais demain, le divorce peut arriver. Demain, les enfants peuvent mourir. Demain, les enfants peuvent tomber gravement malades, même soi-même aussi, tu peux tomber gravement malade. Tu deviens comme un légume, donc tu deviens inutile. Or, si tu es toujours avec Dieu, qu'est-ce que tu vas devenir? Tu vas faire quoi? Le Seigneur va t'affermir toujours. Quand tu es faible, alors il y a la vie des prières. Quand tu as des problèmes, il y a la puissance de la prière qui va se manifester. Il y a le Seigneur Jésus qui est là, le Seigneur Dieu, il y a le Saint-Esprit de Dieu qui vont t'aider, n'est-ce pas? Oui, en général, ils sont un, mais chacun à son entité va t'aider. Donc, c'est ce qui est important. Dans tous les domaines de la vie, il ne faut pas abandonner l'Éternel. Il ne faut pas abandonner le Seigneur. Quelle que soit la chose nouvelle qui arrive dans ta vie aujourd'hui. Donc, avoir une situation nouvelle, oui, c'est bien. Mais si tu abandonnes l'Éternel, si tu oublies l'Éternel, qui va protéger tes enfants? Qui va protéger ton mariage? Qui va protéger, n'est-ce pas, tes affaires, ton business? Qui va protéger ton travail? Il n'y a que Dieu. Aujourd'hui, les gens, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de se battre, et surtout dans les pays africains, on l'a vu, on le voit aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Les gens cherchent par tous les moyens pour garder leur poste. Surtout les gens qui ont, n'est-ce pas, le poste de directeur, de PDG, de ministre. Ils font quoi? On a vu, n'est-ce pas, c'est malheureux à le dire, comment un président général, ou bien on appelle un directeur général d'une grande société de Kinshasa est en train, n'est-ce pas, de manger à ses excréments. C'est malheureux. Donc, c'est comme ça. Donc, il n'y a pas lieu de s'éterniser ou de faire le dessin par rapport à ça. Donc, on le connaît aujourd'hui. Avant, il y avait, n'est-ce pas, les ondits, que les gens qui sont dans le pouvoir, ils sont en train, n'est-ce pas, de boire leurs urines ou bien de boire les urines des fous, ou bien il faut avoir, n'est-ce pas, des relations avec les serpents, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, on le voit maintenant. C'est grave, oui.
Parce que les gens cherchent par tous les moyens de garder, n'est-ce pas, leur poste. Pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont abandonné Dieu. Ils ne connaissent peut-être pas Jésus. Donc nous, nous avons la grâce de connaître le Seigneur Jésus. Et ça aussi par rapport aux gens qui vont suivre à cet enseignement sur les réseaux sociaux ou bien sur l'Internet, vont comprendre aussi. Parce que mon ministère, c'est ça, c'est pour encourager les serviteurs de Dieu, pour travailler avec les serviteurs de Dieu, pour apporter un plus, n'est-ce pas, avec les serviteurs de Dieu. Alléluia. Voilà. Amen. Donc, c'est ça. Et nous allons voir maintenant pour la synthèse de cette introduction. Il y a les livres, les psaumes, chapitre 30, verset 8. Psaume chapitre 30, verset 8. La Bible nous dit, Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Alors, tu cachas ta face et je fus troublé. Quand on parle, n'est-ce pas, de la montagne, c'est quoi? C'est un lieu de prière. Quand on parle de la montagne, c'est là où, n'est-ce pas, il y a ce qu'on appelle la chambre haute. Quand on parle de la montagne, c'est là où tu te réfugies pour rencontrer l'Éternel. Mais lorsque l'Éternel cache sa face, qu'est-ce qui va arriver? Il y aura quoi? Il y aura les problèmes et tu vas être troublé. Mais David a dit au verset 9, Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Alors, que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Et tu as changé mes lamentations à allégresse, et tu as délié mon sac, et tu m'as saint de quoi? De joie. Alléluia. On a fait un peu notre Seigneur de joie. Alléluia. On l'a vu? Donc, n'abandonne pas l'Éternel, n'abandonne pas, n'est-ce pas, l'apport de Dieu par rapport à ta vie. Et tu vas voir qu'est-ce qui va se passer. Il y aura les problèmes lorsque tu pries et que l'Éternel ne manifeste pas. Mais le roi David, il était tellement patient. La Bible nous dit quoi? Et l'Éternel a fait quoi? Il est descendu, il a écouté. Il doit rappeler que si je suis devenu poussière, donc ça veut dire quoi? Si je meurs, n'est-ce pas? Ou bien les morts ne te louent pas. Yeah. Donc, ce qui est important, c'est quoi? C'est il faut être affirmé avec la parole de Dieu. Et à chaque fois que tu pries, il ne faut pas hésiter de mentionner ou de rappeler l'Éternel avec ses paroles. Amen. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, quand vous priez, ne multipliez pas les vaines paroles. Des paroles qui viennent de vos cœurs. Il faut toujours utiliser la parole de Dieu. Pourquoi? Pour lui rappeler. Parce que quand les livres, les Aïe nous dit que l'Éternel, la parole de Dieu ne retourne pas devant Dieu sans pour autant faire des effets. C'est ta parole, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas ta parole. Ce ne sont pas les paroles des gens de ce monde, des sages de ce monde. Parce que la Bible nous dit quoi? L'apôtre Paul a dit, les paroles des sages de ce monde, c'est la folie devant Dieu. En d'autres termes, même tes paroles aussi, si tu multiplies les 20 paroles, ce sont des folies devant Dieu. Donc c'est ça. Alors si tu t'attaches avec Dieu, si tu t'attaches avec la vie des prières, malgré tout, l'Éternel va faire quoi? Si jamais il y a un problème, il va enlever les sacs. Ça veut dire quoi? L'humiliation de ton âme. Il va changer ça en joie, en allégresse totale. Donc c'est ça. Donc les gens de ce monde peuvent t'humilier, peuvent t'insulter, peuvent se moquer de toi. Mais si tu t'attaches, c'est ça la réalité de cette métaphore. Vivre sur la montagne. De ne pas abandonner la vie des prières. C'est pourquoi Détesse nous dit quoi? Il faut prier. Prier sans cesse. Apôtre Paul le recommande, écoute, même les gens, prier aussi pour les saints, prier pour nous. Nous avons l'exemple de Pierre. Pierre, il était dans la prison. La Bible dit quoi? L'Église n'a pas cessé de prier pour lui. Et le miracle s'est opéré, Dieu a envoyé un ange et il est sorti de la prison. Même lui-même ne s'attendait même pas. Il croyait comme si c'était dans un rêve. Parce qu'il a eu des rêves auparavant, n'est-ce pas? Il a eu des rêves que la nappe s'est apparue et avec les animaux sauvages, impurs. Mais c'était un message pour aller faire de grandes choses dans la vie des Corneilles. Donc, de la même façon avec nous aujourd'hui. Donc, peu importe la nouveauté, peu importe les problèmes, peu importe les situations difficiles, même si tu vois que quelque chose n'arrive pas, il faut toujours
continue à prier. Alléluia. Donc, je peux témoigner aussi d'emblée à ce que le Seigneur a fait dans la vie de maman Hilda, n'est-ce pas? C'est la première fois d'avoir un coco. En tout cas, on acclame pour la gloire de notre Seigneur. Voilà. Donc, on a prié, comme je l'avais dit la fois passée, on a prié, les gens ont prié, et finalement, le Seigneur a fait grâce, et nous avons, n'est-ce pas, un petit coco. Un garçon, une fille. Voilà. Nous avons aujourd'hui une fille, n'est-ce pas, qui a fait la joie de la famille. Donc, c'est le Seigneur de gloire. Il faut prier et prier sans cesse, continuer toujours à prier. Et le Seigneur va faire toujours des grandes choses. Alléluia. Voilà. Quand on dit, quand on parle de l'affermissement, il faut quelqu'un qui soit convaincu. Donc, quand tu dis un oui, ton oui reste oui, ton non reste non. C'est pourquoi, l'apôtre Paul, le livre des Romains, avant de conclure cette première partie sur l'introduction de cet enseignement, Romains chapitre 14, nous lisons d'abord verset 5 et verset 23. Romains chapitre 14, au verset 5, l'apôtre Paul a dit, tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous les égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Malgré les changements, malgré les problèmes, malgré les distinctions, malgré les jours, il faut que chacun de nous, n'est-ce pas, il faut avoir cet esprit de conviction lorsque tu fais quelque chose. Avoir l'esprit de conviction, bien être convaincu, ça veut dire quoi? Si tu es consciemment d'accord avec la chose que tu es en train de faire, la chose que tu es en train de dire et la chose que tu es en train, n'est-ce pas, d'écouter. C'est ça la conviction. Si ça ne te convainc pas dans ton esprit, dans ta conscience, si tu n'es pas, n'est-ce pas, d'accord, si tu n'acceptes pas la chose dont tu es en train d'écouter, que tu es en train de voir, alors il ne faut pas le faire. Alors si tu le fais, ça veut dire que tu es consentant de faire, de répondre, de dire par rapport à la chose qui a été demandée ou bien la chose qui a été, n'est-ce pas, à prouver. Donc c'est ça la réalité de la conviction. Et au verset 23, il avait dit, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Alors tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Donc parfois, on associe le péché avec ignorance ou inutilement dans nos vies. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la conviction. Donc celui qui est affermé, c'est quelqu'un qui est convaincu de faire quelque chose, de répondre à l'attente, à la vocation céleste, de répondre, n'est-ce pas, à ses responsabilités dans l'église, dans la vie, dans la famille, dans la société. Et c'est comme ça, surtout en l'occurrence dans la société, parce qu'il nous faut faire quelque chose. Aujourd'hui, si nous sommes dans des sociétés où il y a des choses qui semblent marcher, il y a de l'ordre, c'est par rapport à quoi? Par rapport à l'affermissement des hommes. Ce sont des hommes. Ici, en Europe, ce sont des hommes. En Afrique aussi, ce sont des hommes comme tous les hommes. Mais pourquoi il y a une différence? Les qualités de vie. C'est par rapport à ça, les gens qui sont ailleurs dans les pays pauvres, ils ne sont pas affermis. Ils ne sont pas affermis pour la société. Ils sont parfois affermis pour eux-mêmes. Donc, il faut transposer les choses, hein, n'est-ce pas, d'une façon, dans l'échelle sociétale, voilà, communautaire, ou bien nationale, et surtout internationale, pour changer, n'est-ce pas, apporter la révolution dans la vie d'une façon générale, dans le monde entier. Voilà, alors, pour conclure ce message, allons dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 1, verset 12. 1 Pierre, chapitre 1. Au verset 12. 1 Pierre chapitre 1 au verset 12. Qui peut nous lire là, comme ça, pour vous dégourdir un peu. 1 Pierre chapitre 1 verset 12. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous. Mm-hmm. Qu'il était les dispensateurs. De ces choses que vous ont annoncé maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Voilà.
Donc, j'ai dit ça au début. Lorsque tu es un homme qui est affermi, ce n'est pas pour soi-même, mais c'est pour la société. Donc là, Pierre nous a dit clairement, donc ce n'est pas par rapport à d'autres personnes, mais c'est par rapport à soi-même, mais par rapport à d'autres personnes. Alléluia. Donc il a fui révélé, donc Apocalypto. Donc faire voir des choses qui étaient cachées, n'est-ce pas? Pourquoi? Pour vous servir des exemples. Pour les dispensataires, des choses qui sont annoncées aujourd'hui et maintenant. Et c'est comme ça, Paul a mis l'accent dans Romains chapitre 14 au verset 4. Et Paul a mis l'accent dans le livre de Romains chapitre 14 au verset 4. Il a dit, alors qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui, s'il te tient debout ou s'il... N'est-ce pas, c'est ça, voilà. Romains chapitre 14 au verset 4. Alors, qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui, s'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de... A le pouvoir de... L'affermir. Alléluia. On acclame pour la gloire de notre Seigneur. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, tu ne peux pas t'affermir soi-même. Donc, j'ai dit tout à l'heure, tu ne peux pas t'affermir soi-même. Et lorsque tu t'as fermé, c'est là, avec l'appui de Dieu. Nous avons eu l'exemple du roi David, n'est-ce pas? Il a dit, par rapport à son royaume, le royaume était de plus en plus grand. Il a d'abord commencé par s'affermer lui, soi-même, à l'intérieur, n'est-ce pas? Par rapport à l'autorité sur les sentiments, sur les choses, n'est-ce pas, qui sont en train d'être... à l'antagonisme par rapport à l'Esprit de Dieu. Donc, c'est pourquoi aussi le Proverbe chapitre 25, que j'aime beaucoup, que celui qui n'arrive pas à contrôler son esprit, c'est comme un territoire, comme un pays qui n'a pas de frontières. Donc, c'est ça. Il faut être beaucoup plus solide, constant dans ses idées, et puis il faut avoir la conviction, n'est-ce pas, de dire, de répondre par rapport à une question, par rapport à un problème, par rapport à une attente, par rapport à ce que tu es en train d'écouter, de voir, et puis par rapport à ce que tu peux réagir. Si tu comprends, dans ta conscience, si tu es convaincu de le faire, tu le fais. Sinon, si tu es dans l'ignorance, la Bible nous dit quoi? C'est quoi? C'est un péché. Donc, si c'est lui, ce qui n'est pas les fruits, n'est pas d'une conviction, c'est un péché. Mais si tu le fais avec ta conscience, ta propre conscience, âme et conscience, que ça c'est par rapport à la parole de Dieu, et quand tu le fais, ce n'est pas un péché. Donc c'est ça. Et dans tous les cas, on a fini avec ça, Romains 14, que Paul a dit. Donc, il ne faut pas juger les autres. Il faut laisser les choses, n'est-ce pas, dans la main de notre Seigneur de gloire. C'est lui qui a le pouvoir d'affermir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok, à la prochaine. Père dans les noms.